Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment pratiquer une mesure fiable et certaine lors d'opérations de VAT. Vérification d'absence de tension. Quelques explications très simples sur mon grand tableau s'imposent. Grand U égale grand Z petit h fois i. Ici, vous avez le courant I qui traverse l'impédance ZC créant une différence de potentiel. L'appareil mesure la différence de potentiel U entre le contact réel et le contact fictif. Certains éléments comme la hauteur, la position de l'appareil ou la présence de champs perturbateurs peuvent altérer la mesure de cette différence de potentiel. Vous me suivez alors, tout d'abord, je vous propose de faire plus ample connaissance avec cet appareil qui vous sert à faire la mesure, mais que vous n'avez peut-être pas démonté. Je pratique l'opération. Là se trouve la tête, la partie capacitive qui est le contact réel. Les témoins lumineux et sonneurs sont situés à ce niveau de l'appareil. C'est le côté maslot, le contact fictif de l'appareil. Ah, apparemment, vous avez un problème d'image à la réception. Je sors ma zapette magique, ça n'a pas l'air de mieux fonctionner. Je regarde du côté des piles, j'en ai toujours sur moi. Ça fonctionne de nouveau. Voilà d'où venait le problème. Bien utile ces piles. Dominique, bonjour Bonjour Michel. Nous venons de constater l'importance des piles depuis notre écran de contrôle. De ton côté, as-tu pu faire vérifier les piles sur ton appareil Oui, bien sûr. L'appareil est bien rangé dans sa boîte propre et sec. La coque ne doit pas présenter de traces de choc ni de fissures. L'électrode est bien évidemment correctement vissée. Cette vérification de fonctionnement permet de confirmer que la réserve d'énergie des piles est suffisante pour réaliser la mesure dans son intégralité et que les fonctionnalités de l'appareil sont bien actives. Notre opérateur s'apprête donc maintenant, dans la foulée, à effectuer la mesure. Je précise, quand je dis dans la foulée, cela sous-entend dans les 2 minutes 2 minutes 30 qui suivent. Vérifions bien que durant l'opération de mesure, le voyant vert reste allumé. Anthony, notre opérateur, est donc sur le point d'effectuer sa mesure. Mais attention, sommes-nous sûrs qu'il y a bien un mètre minimum de distance entre lui et tout objet métallique Apparemment, non. En effet, et vous pouvez le constater sur le schéma, le détecteur doit être éloigné de toute masse métallique d'au moins un mètre. À proximité des masses métalliques, qu'il s'agisse d'armement, de supports, de transformateurs, mais aussi des points de connexion, là, il peut bien sûr être question de ponts ou encore, par exemple, d'extrémités de câbles. Eh bien, le champ électrique est déformé, occasionnant une mauvaise lecture de la vérification de l'absence de tension. L'appareil risque de ne pas fonctionner. Voilà, nous sommes désormais bien positionnés puisque nous sommes à plus d'un mètre de toute masse métallique. Notre opérateur peut donc continuer d'effectuer sa mesure. Là encore, nous pouvons constater sur notre schéma que le détecteur doit venir se positionner dans la mesure du possible, le plus perpendiculairement au sol. Sinon, le détecteur voit une tension plus faible. En effet, ici, la pointe de la touche et la masse sont sur des lignes équipotentielles trop proches. Conséquence, cela risque de ne pas fonctionner. Hop, 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 cette mesure n'est pas bonne. Pourquoi eh bien, il faut qu'Anthony reste en contact avec sa perche au moins 3 secondes avec chacun des conducteurs de la ligne. Pourquoi au moins 3 secondes, me direz-vous C'est une bonne question et je m'empresse d'y répondre. Cela équivaut au temps de charge du conducteur au sein de l'appareil. Il est donc obligatoire de laisser le temps nécessaire au moins 3 secondes afin de permettre à l'appareil d'effectuer une mesure correcte. Pendant ces 3 secondes, l'opérateur vérifie bien que le voyant vert est allumé et que l'opérateur fait bien la mesure sur les trois phases. En résumé, pour effectuer une bonne VAT, je réalise l'autotest avant et après la mesure. Je m'éloigne de toute masse métallique d'au moins 1 mètre. Je positionne le détecteur le plus perpendiculairement au sol. Je maintiens l'électrode du détecteur au contact de chacune des trois faces pendant au moins 3 secondes et je vérifie que le voyant vert est bien allumé pendant les 3 secondes de la mesure. Mais ce n'est pas tout, car il existe également des cas particuliers que je vous invite à découvrir ensemble. Suivez-moi! Alors nous sommes ici avec Dominique, certes toujours dans un contexte de mesure, mais cette fois-ci avec une perche de type nevers. Nous allons pouvoir pratiquer notre mesure, mais attention, je me dois encore d'intervenir car je ne suis pas sûr que l'angle formé entre le détecteur et la perche soit bien supérieur à 45 degrés. Vérifions. Là encore, à travers cette démonstration visuelle, nous allons pouvoir comparer la mauvaise et la bonne manipulation. Ce principe, c'est vrai, devrait être garanti par construction, mais il arrive que les ergots sur les perches soient souvent usés ou mal adaptés à certains modèles de détecteurs. Lorsqu'on veut faire une VAT avec une perche de type Nevers, on doit donc s'assurer que le détecteur de tension et la perche isolante forment un angle supérieur à 45 degrés, et ce afin que l'appareil de mesure soit bien perpendiculaire aux lignes équipotentielles déformées par la perche. Autre cas particulier, celui des connecteurs séparables dans un poste HTABT. Le débrochage de ces connecteurs nécessite une VAT qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'interrupteur en amont. Bien évidemment, avant d'effectuer la VAT, l'opérateur aura au préalable positionné son tapis isolant et pratiqué un autotest confirmé par la sonnerie. Ensuite, il n'effectue pas encore sa VAT puisqu'il lui faut enlever les capuchons des bandes capacitives au détecteur de tension monté sur la perche isolante à l'aide du col de cygne. On vérifie bien qu'il y a une absence de tension, donc l'appareil ne donne aucune information, ni sonore, ni lumineuse. Il est temps de réeffectuer un nouvel autotest avant de remettre les capuchons. On remet maintenant les capuchons du détecteur puisqu'on est assuré qu'il n'y a pas de tension. Pour ce faire, on aura réeffectué notre manœuvre sur les trois phases avec pour chacune d'entre elles une durée d'au moins 3 secondes minimum. Finalement, ces bonnes pratiques incontournables contribuent, comme vous venez de le constater, à une mesure certaine d'absence de tension. Elles garantissent la sécurité de chacun. Et il ne vous aura pas échappé que VAT peut également se décliner comme la vie avant tout.